Bonjour à tous les jeunes enfants et les plus grands aussi. Voilà, une petite activité peinture. Il nous faut une feuille, tous les enfants, les écoliers ont ça, une feuille de papier et un petit peu de gouache. Je vais y déposer un petit peu de peinture, suivant la fantaisie de chacun. Voilà, les couleurs, j'en dispose peu. Mais je vais faire avec. Voilà. Hop. Et ma dernière couleur, voyez, je dispose que de peu de choses. C'est du blanc. Je glisse ma feuille à l'intérieur de ma pochette plastique. Ainsi, on va faire de la peinture proprement. Ça évitera aux mamans d'avoir beaucoup de ménage. Et ensuite, j'étale à ma convenance ma peinture. Alors évidemment, en fonction de ce que l'on aura mis en quantité de peinture, ben, les résultats seront différents. Voilà, moi j'ai mis très peu de couleurs, donc vous voyez, mais regardez comment ça se mélange. Ça peut se mélanger. J'aurais dû en mettre un peu plus. Voilà, c'était un essai. Il est ce qu'il est. Vous voyez, j'ai mon dévier qui est juste en dessous, du coup ça me fait des lignes. Hop, regardez ça un petit peu. Voilà. À vos tubes, à vous de créer ce qui vous plaira. Et ensuite, suivant les couleurs, vous pourrez redessiner une fois que tout sera sec, comme vous voudrez. Voici, je vais retirer malgré tout pour voir ce que ça donne. La feuille se récupère. Mon dessin va sûrement se modifier aussi avec la peinture. Un petit peu difficile à retirer. Et voilà. Notre peinture a séché. Et je vous propose de faire un exercice de graphisme. Voilà, j'ai commencé. Mon feutre est un peu vieux, il manque d'encre. Donc, pour pouvoir l'utiliser, si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à le tremper dans un petit peu d'eau. L'encre revient. Regardez. Hop. Et donc, je continue mon graphisme autour de chaque rond. C'est un bon exercice en plus pour les enfants. Ils y prendront sûrement du plaisir. Et puis, s'ils fatiguent un peu, bah écoutez, ils peuvent remettre à plus tard la finition. Voilà. Des fleurs imaginaires. Des soleils imaginaires. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de leur faire un dessin aussi grand. Une petite feuille fera très bien à faire. Voilà. Le noir met en valeur les couleurs. Et bien écoutez, je vous laisse à vos ouvrages. Je finirai mon modèle et je vous le montrerai à mon tour. Bonne fin de journée. Au revoir.